Des Alpes, il faut rejoindre le plus vite possible les Pyrénées. Donc il faut faire des grandes étapes, une des étapes les plus longues du Tour de France. Alors avec des difficultés au départ, puisque les coureurs franchiront quand même le Granier, qui n'est pas n'importe quel col au départ. Et il faudra donc franchir dans les 50 premiers kilomètres les cols pour sortir des Alpes. Et ensuite une étape pour sprinter normalement, mais plutôt pour baroudeur. Je pense que ce jour-là, une échappée ira très loin parce que tout le monde sera un peu fatigué de la première semaine de course, du passage des Pyrénées. Le classement général sera quand même pas mal établi et il y aura de la place donc pour ceux qui voudront aller gagner une étape.